Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tutoriel maquillage où je vais vous présenter un maquillage 100% ou presque, on va dire 95% by Terry, qui est une marque française que je connais bien, que je connais pas forcément hyper bien parce que j'ai pas testé tout ce qui se fait dans cette marque, mais j'ai reçu en fait un très très gros colis de leur part il y a plusieurs mois maintenant. Je présente mes excuses à la marque, j'ai pas du tout eu le temps ou l'occasion de filmer cette vidéo avant avec le déménagement etc, c'était un peu compliqué. Mais voilà, j'ai tout rassemblé dans ce grand panier et comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup de références à vous présenter. Donc voilà le rendu final, on est sur un maquillage qui est très lumineux, qui est vraiment sympa pour l'été. J'ai essayé de mettre un petit peu l'accent sur les yeux, il y a des couleurs dorées, des couleurs cuivrées qui sont je pense très appropriées pour la saison. Un petit rouge à lèvres nude qui s'accorde assez bien avec le maquillage des yeux, on a des produits teints. Donc je vais vraiment vous donner mes impressions à chaud, il y a uniquement deux des produits que je vais vous présenter que je connaissais déjà avant de recevoir ce gros colis. Et voilà, j'espère que la vidéo vous plaira, je vous laisse tout de suite avec la suite des explications. Voilà, donc on se retrouve en méga gros plan pour démarrer ce maquillage. Donc j'ai une petite mine un peu fatiguée parce que j'ai travaillé cette nuit, là il est 14h30 et j'ai pas très bien dormi derrière ma nuit de boulot, j'ai dormi... De 9h à midi et demi. Ouais, j'ai dormi 3h30, donc voilà, j'ai une nuit de 3h30 dans les pattes, clairement, donc je suis pas en très bonne forme. Donc on va dire que c'est le meilleur moment pour faire ce tutoriel, parce que si j'ai un visage complètement métamorphosé à la fin des vidéos, c'est que ce maquillage est miraculeux, parce que voilà, c'est vraiment pas la grande forme. Il y a des produits dont je vais pas pouvoir vous parler, parce que ce sont des produits de soins que j'avais reçus, mais je vais les tester puis on aura probablement l'occasion d'en discuter dans d'autres vidéos. J'ai reçu le baume dans la gamme baume de rose, le gommage pour les lèvres. Je connais bien cette gamme, je l'aime beaucoup, mais je connais pas le gommage. Toujours dans la gamme baume de rose, le gommage, mais cette fois-ci pour le corps. Le stick lèvres, donc ça c'est ce que je connais, je l'adore. Et la même version mais en petit pot, c'est un produit qui est absolument génial si vous avez les lèvres très sèches, très abîmées. Et un produit que je connais pas du tout, le masque d'eau Hydra Ressources. Voilà, que je testerai du coup à l'avenir. Donc voilà pour le côté soin, et ensuite pour le côté maquillage, ben voilà, on a tout ça à tester. Je pense qu'il y a certains produits qui se retrouveront dans la prochaine Neroli Box, parce que je vais vous montrer quelques déclinaisons et je vais clairement pas tout utiliser, donc voilà, quelques-uns seront disponibles dans la prochaine Neroli Box, qui va d'ailleurs arriver dans les semaines à venir. Je sais pas si je vais réussir à la lancer avant mon départ en vacances, mais en tout cas ça va pas tarder à arriver, donc je vous invite à me suivre sur Instagram pour participer, ça va pas tarder à arriver. Donc avant de commencer le maquillage, un petit état des lieux de ma peau. J'ai pas mal de cicatrices, mais ce sont surtout des rougeurs, des cicatrices qui sont pas en relief, donc c'est encore assez facile à camoufler. J'ai des cernes parce que je suis fatiguée, ça je peux pas le cacher. J'ai quelques rougeurs mais ça va encore, et voilà, je brille un peu parce que je viens de mettre ma crème et qu'il fait très chaud, ce qui explique aussi cette coupe de cheveux. Parce que je supporte pas d'avoir les cheveux détachés en ce moment, c'est absolument invivable avec les 35 degrés ambiants. Ma peau a été clairement mieux, mais j'ai connu bien pire aussi, donc ça me convient bien. On va commencer ce tutoriel par un produit qui est mi-soin, mi-maquillage. Il s'agit de la base de soin extralissante Hyaluronic Hydra Primer. Je connais très bien la Hyaluronic Hydra Powder, que je vous présenterai un petit peu plus tard, qui est une poudre visage que j'adore, que je rachète depuis des années. Voilà, ça se présente sous la forme d'un tube comme ça de 40 ml, donc une base soin extralissante, correction multizone, matité invisible et micro comblante. Écoutez, on va voir ce que ça donne. C'est d'un coloris blanc, c'est une pâte un petit peu épaisse, pas forcément à dire si c'est siliconé peut-être, mais bon, voilà, je vais mettre ça sur tout mon visage. C'est très agréable, ça sent rien du tout. Ça sent absolument rien. On continue donc avec la correction du teint. Alors, j'ai pas reçu de fond de teint de la part de la marque et ça me va très bien parce que de toute façon, en ce moment, porter du fond de teint, c'est inenvisageable avec cette chaleur. Donc de toute façon, je m'en serais pas servie. J'ai reçu en revanche le stylo expert Click Stick, donc le correcteur de teint hybride multifonction couvrance modulable. C'est un produit dont j'entends beaucoup parler depuis assez longtemps. Je l'ai reçu en deux teintes. La teinte 2 neutral beige et la teinte 4,5 soft beige, donc on va voir si on utilise l'une des deux ou si je mélange les teintes. Donc ça se présente sous la forme d'un petit stylo comme ça avec un embout à la fin, et en fait vous venez cliquer, ça fait pas mal de bruit pour faire sortir le produit progressivement, ça fait comme une mine de crayon. Il n'y a pas une grande différence entre 2 ici et 4,5 là, mais la 4,5 a l'air d'être clairement de la couleur de ma peau, donc bah, c'est parti. Je vais faire, ça fait beaucoup de bruit, je vais faire sortir le produit. Je vais en mettre, j'ai un miroir mais qui est très loin de moi. Dans ce nouvel appartement, c'est un petit peu compliqué pour filmer des vidéos, mais écoutez, on va faire avec les moyens du bord. J'ai l'impression que c'est un produit qui se
qui se consomme entre guillemets assez vite. J'en mets globalement là où j'en ai besoin. Et ensuite avec un pinceau, donc le 107 Powder Polish, qui est donc censé être fait pour la poudre de chez Zoeva, qui est ma marque de pinceau préférée, je vais estomper tout ça. Bah voilà, une fois que c'est estompé, je trouve le résultat très satisfaisant. Ça fusionne avec la peau, donc ça c'est très agréable. Je vais juste en remettre, que je me trompe pas de teinte, 4,5. Je vais juste en remettre, là j'ai un bouton un peu récalcitrant. Là j'ai toujours une tache qu'il faut peut-être que j'aille montrer à un dermato, parce que depuis ma grossesse avec les hormones, elle a pris une teinte un peu plus foncée et ça fait clairement une ombre. Côté teinte, ça m'a l'air d'être relativement adapté. Là c'est rouge parce que j'ai un angiome depuis ma naissance. Et il ressort quand je suis énervée, quand je sors de la douche et quand j'ai très chaud. Et il fait très chaud, donc voilà, sans surprise, il ressort, ça m'étonne pas beaucoup. C'est complètement imperceptible sur la peau, c'est pas, c'est ni mat ni... Ouais, c'est satiné quoi, c'est très très joli. Alors normalement à ce stade-là du maquillage, j'aurais appliqué la poudre, mais en fait je sais que j'ai quelques produits crème encore à appliquer que j'ai reçus, donc je vais continuer par tout ce qui est texture crème. Et ensuite on passera à la poudre et au blush pour tout ce qui est un peu contouring, bronzer, etc. J'ai reçu 3 exemplaires du Glow Expert Duo Stick, donc l'illuminateur hybride sculpteur bicolore avec un pinceau estompeur. Voilà, rien que ça. Donc ça se vend par duo, hein, donc vous pouvez pas choisir les teintes individuellement, ce sont des duos qui sont tout trouvés. Donc j'ai reçu la teinte 4-5-6. Alors la teinte 4 s'appelle Cream Melba. Donc là on est sur une teinte de blush et une teinte dans les mineurs. Donc vous pouvez clairement faire un trait comme ça et estomper. J'ai reçu la teinte 5 qui est la Beach Glow. Voilà, qui me plaît bien avec un petit côté bronzer ici. Puis un côté blush en lumineur rosé qui est très sympa. Et ensuite j'ai reçu la teinte 6 Copper Coffee. Qui sans surprise est dans des tons un peu bruns. Et voilà, je pense que je vais utiliser celle-ci parce que j'ai en fait déjà ce qu'il faut par la suite pour tout ce qui est blush, etc. Et puis les deux petits là, bah, je les garde pour les futurs Neroli Box. Je vais même pas les essayer pour pas les abîmer pour vous. J'ai jamais utilisé de produits de ce style-là, en tout cas pas de côté avec, pas avec un côté bicolore. Donc je vais y aller franco. Ah oui, c'est très pigmenté. Ouh, on va en mettre un peu là. On va en mettre un peu... Non, on va en mettre là déjà. On va voir ce que ça donne. Ça s'estompe très très bien. Alors je suis impressionnée par la facilité d'estompage. Ça se fond dans la peau. Je vais remettre un petit coup un peu ici pour faire comme si j'étais allée au soleil. Puisque je ne suis pas encore vraiment allée au soleil, donc j'ai pas vraiment de couleur. C'est lumineux, c'est... Ah ouais ? Moi j'ai très contente. Voilà, j'espère que les autres teintes plairont à la personne qui recevra le colis. Je sais pas encore si je vais mettre les deux dans le prochain colis ou si je vais peut-être organiser les choses différemment pour que ça soit réparti dans les prochaines éditions de la Neroli Box. Ensuite, on va passer à la poudre. Parmi tous les produits que je vous présente, il y a deux références que je connais déjà. À commencer par cette poudre que j'ai rachetée. Alors j'allais dire des dizaines de fois, mais non, je ne l'ai pas racheté des dizaines de fois parce qu'elle est extrêmement économique. Il suffit d'en utiliser vraiment très très peu pour bien fixer son maquillage, etc. C'est une très très belle poudre que je vous conseille si vous avez la peau déshydratée, sèche, que vous avez le teint terne, que vous avez peut-être des difficultés comme moi à trouver une poudre qui ait un joli rendu, qui ne plombe pas le teint. Elle est vraiment magnifique. Donc c'est une poudre qui est translucide, qui est blanche mais qui a un fini translucide sur la peau qui est vraiment ravissante. Alors en hiver, je mets pas forcément de la poudre sur tout mon visage, mais en été, bah si, parce que j'ai vraiment envie que mon maquillage tienne. J'utilise le pinceau 106 Powder de chez Zoeva toujours, et j'en mets un peu partout, parce qu'en été, j'ai quand même envie que mon maquillage tienne. Il en faut très 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 peu, c'est vraiment pas nécessaire d'en rajouter des couches et des couches. Si vous en rajoutez plus que ce qui est nécessaire, en fait, ça ne changera rien, donc autant l'économiser. Et c'est une poudre qui est très confortable, qui va pas venir faire tirailler la peau ou quoi que ce soit, vraiment je l'adore. Donc ça fait partie des produits que j'achète et que je rachète depuis des années. Donc voilà, si vous cherchez une bonne poudre, je vous la conseille. Et je vous avais gardé la boîte pour vous montrer à quoi elle ressemblait, mais je la retrouve pas. Ah si, voilà, elle est vendue dans une boîte comme ça. Et donc, poudre soin extra lissante, correction multizone, rides, pores, défauts, matité invisible, micro fixante. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec ce qui est dit. Et comme je vous disais, donc il n'y a pas de teinte, c'est une teinte universelle. Et très sincèrement, elle est vraiment translucide. Que je l'utilise en été ou en hiver, je vois pas de différence.
Elle est vraiment magnifique. Ensuite, on va passer au blush. J'ai reçu le Terribly Dancilis Blush, le fard à joues éclat jeunesse, voile lumi-lissant, relief dessiné. Voilà, chez By Terry, ils aiment bien faire des bonnes descriptions. Comme ça, vous êtes sûr de ce que vous achetez. Alors, j'ai été surprise par le poids du boîtier. Puis en fait, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Donc, c'est livré dans un petit pochon comme ça en velours. Et en fait, voilà la bête. Mais ça, c'est du métal. Ça pèse, on dirait un galet quoi. Ça fait vraiment le poids d'un galet. Donc c'est un très très beau produit, c'est extrêmement bien présenté. Vous avez un petit pinceau qui est fourni avec. Moi je vais pas m'en servir, mais il a l'air de qualité assez correcte. La petite feuille de protection est ici. Et donc je l'ai dans la teinte 4 Nude Dance, qui est un rose qui tire un petit peu vers le bois de rose, qui est vraiment très joli. C'est pas une teinte que j'ai vraiment l'habitude de porter, mais écoutez, ça me fait pas de mal, ça me change un peu. Il y a un esprit un peu matelassé dans le boîtier, c'est vraiment très très joli. Ça m'a l'air bien pigmenté. Vraiment pas une teinte que j'ai l'habitude d'utiliser, mais c'est vraiment ravissant. Bah c'est bien pigmenté. je suis peut-être un peu rose, non? On va mettre un petit coup de pinceau à fond de teint, tout ça là. De toute façon, d'ici la fin du maquillage, ça aura le temps d'évoluer. Très joli ce petit blush. Alors ensuite, on va passer au maquillage des yeux. Donc j'ai reçu deux choses différentes. Tout d'abord les Game Lighter Palettes. Qui sont donc des palettes d'ombre à paupières duo couleur avec 10 nuances mat et métallique. Vous allez voir qu'il y a une palette qui me plaît beaucoup, l'autre qui n'est pas du tout faite pour moi, en tout cas c'est vraiment pas ce que j'ai l'habitude d'utiliser, vous allez voir ça tout de suite. Et la deuxième chose que j'ai reçue, ce sont des ombres Black Star. Je vous parle de ce produit depuis des années. Pour moi c'est ce qui se fait de mieux en matière d'ombre à paupières crème en version stick. J'adore ces ombres à paupières, donc c'est en, comme je vous disais, en format stick, en format stylo. Elles ont une pigmentation qui est incroyable, une lumière, des nacres à l'intérieur qui sont vraiment magnifiques. Et je me maquille très peu les yeux depuis plusieurs années maintenant, mais quand je me maquillais davantage les yeux, c'était vraiment mon produit de prédilection. Ce sont de très très belles teintes, et il y a vraiment des teintes qui sont foncées, très pigmentées, des noirs, des bleus marines, etc. Puis il y a aussi des teintes plus claires pour faire juste un petit voile de couleur avec quelques nacres sur la paupière. Donc on va commencer par les ombres Black Star parce que du coup c'est une texture crème, donc je pourrais mettre des poudres par dessus. Donc j'ai reçu la teinte numéro 1 Black Pearl. Alors je me souviens plus les teintes que je possède, mais Black Pearl c'est un gris, je vais pas les swatcher parce que celle-ci je vais pas m'en servir, donc pareil ça arrivera dans les Neroli Box. Donc c'est une teinte gris anthracite avec beaucoup de paillettes, c'est vraiment une jolie teinte. Ensuite j'ai reçu la teinte 5 Misty Rock, elle je suis sûre que je l'ai déjà dans mes tiroirs, donc pareil je vais pas l'ouvrir, mais c'est un gris prune avec des nacres. C'est une teinte qui est vraiment vraiment ravissante, qui est très réussie, qui peut être utilisée toute seule. Moi c'est de cette façon là que je l'utilisais. Et j'ai reçu la teinte 15 Ombre Mercure, que je ne possède pas et que je ne connais pas. Et celle-ci c'est celle que je vais utiliser aujourd'hui. Et en fait c'est une sorte de doré, un mort doré en fait, parce que c'est pas franchement du doré, très très lumineux. Donc voilà, c'est celle que je vais utiliser aujourd'hui. Donc ça me permet du coup de ne pas utiliser de base sur les yeux, ce qui m'arrange. Je vais commencer d'abord par m'effacer ce petit swatch sur la main, parce que sinon je crois que mon t-shirt blanc va en profiter dans peu de temps, vu comme je suis maladroite. Donc je vais appliquer ça sur la paupière mobile et en racine inférieure. Donc en fait je la pose comme ça directement avec le stick. Vous voyez la lumière que ça a? C'est vraiment ravissant. Et j'estompe au doigt. Vous pouvez faire ça avec un pinceau. Pour des couleurs peut-être plus foncées, je conseillerais davantage un pinceau pour un rendu un peu plus précis. Et en fait, je suis en train de penser que j'ai un mariage demain, donc il est tout à fait possible que je m'en serve pour me maquiller. Voilà, rien que ça, c'est vraiment canon. On pourrait carrément s'arrêter là. Hein. C'est super lumineux. Un petit coup de crayon, un petit coup de mascara et basta. Bon, je vais pas m'arrêter là parce que je veux vous montrer d'autres choses, mais... si vous aimez les ombres à paupières, je vous conseille vraiment vraiment ces produits. Ensuite dans les Game Lighter palettes, j'ai donc reçu la Fantasia, qui est donc clairement pas ce que j'ai l'habitude de porter. Donc c'est présenté dans des boîtiers avec un côté un peu holographique. Et celle-ci, voilà, moi je ne porte pas du tout ces couleurs là. À la rigueur je pourrais porter éventuellement le petit kaki pailleté qui est ici, mais le reste c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de porter. Mais ce sont de très jolies teintes. Donc celle-ci je vais pas y toucher pour que je vous la garde intact. Et donc la deuxième que je vais vous présenter, qui du coup correspond bien plus à mes goûts, c'est la numéro 2, Pixie Nude, sans surprise. Donc même boîtier, même présentation, et celle-ci elle est très réussie. Enfin l'autre aussi est très réussie, mais celle-ci me correspond vraiment plus, à part peut-être le rose ici, mais les autres teintes me correspondent vraiment bien. Donc vous pouvez vous servir des duos comme ils sont présentés, ou mélanger, ou faites vraiment ce que vous voulez. Qu'est-ce que je vais utiliser aujourd'hui? J'ai bien envie d'utiliser ce petit duo qui est juste là. Puis je mettrai peut-être un peu du doré en ras de cils inférieur.
Ouais, on va faire ça. Je vais utiliser la couleur du milieu qui est ici. Ça m'a l'air bien pigmenté. Ouais, donc ça rajoute encore de la lumière à ce que je viens de faire. Oh, et c'est très très joli. On va continuer du coup avec la teinte qui est dans le duo ici. Que je me perde pas, qui est juste là. Donc celle qui est sur le tour, qui est un brun avec une tonalité un petit peu chaude. Je vous ai pas dit les pinceaux. Le premier là, c'était le 10S de chez Makeup Forever, un pinceau plat. Il est très bien, je l'ai depuis des années, vraiment ça doit faire 10 ans que je l'ai, mais comme je vous disais, moi la marque Zoeva c'est vraiment ce que je préfère en la matière, donc je vous conseille pas forcément de vous tourner vers des pinceaux aussi coûteux que ceux de chez Makeup Forever. Et là pour le creux j'utilise le 225 Luxe Eye Blender de chez Zoeva. Donc voilà, je mets juste la couleur un peu dans le creux, juste pour donner un peu de relief à mon regard. Et comme promis, comme je vous disais, un peu de doré en ratil inférieur. Je sais pas pourquoi, mais j'ai bien envie de ça. Donc le petit doré qui est ici, au milieu. Qui est un doré même un peu... presque un peu bronze. Et donc je le prends sur la tranche d'un pinceau Luxe Classic Shader de 232 de chez Zoeva. Si j'oublie de vous dire des choses, ne vous inquiétez pas, je vous mets toujours tout sous la vidéo. Hein. Vous avez toutes les références de tout ce que j'utilise. En effet, un doré bien cuivré, donc un doré qui se remarque. Très joli. Très jolie cette petite palette et la pigmentation est vraiment au rendez-vous. J'ai pas de crayon pour les yeux de chez Zoeva, donc je vais utiliser mon crayon favori qui est le Kajal Noir sur mesure Impact Optimal de chez Clinique dans la teinte 02 Black and Brown, donc un brun qui tire sur le noir, que je vais placer vraiment très très légèrement en ratil inférieur et en ratil supérieur juste pour redéfinir un petit peu le regard. C'est pas très facile hein, le truc de tenir son miroir tout en se maquillant. J'aimerais bien avoir les deux mains libres, mais clairement ici c'est pas possible, il faudra attendre que j'ai déménagé pour avoir une mise en place un peu plus professionnelle. Voilà, donc du crayon en ratil inférieur, ratil supérieur, je le fais jamais venir jusqu'à l'intérieur de l'œil parce que je trouve que ça ratisse le regard. Donc je l'ai mis sur le tiers externe en bas et puis sur la moitié ou le tiers externe aussi en haut. Pour les cils, je ne les recourbe pas manuellement en ce moment parce que j'ai fait faire un rehaussement de cils plus une teinture. J'en suis très contente, le résultat est magnifique. Je vous donne rendez-vous sur mon blog, du coup vous allez voir cette vidéo dimanche. Ben, je vous donne rendez-vous sur mon blog mercredi qui arrive. Donc je vous ai fait un article complet avec l'avant-après. Donc j'ai fait faire ça en institut à Annecy, dans un institut qui s'appelle le Boudoir d'Annecy. Et c'est une technique qui s'appelle le Yumi Lash Lift, d'une marque qui s'appelle Yumi Lashes. Et j'en suis très contente. Donc mes cils sont recourbés. Voilà, je sors de la douche, ils sont droits, noirs, bien recourbés, avec un bel éventail. C'est très 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 agréable au quotidien. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans l'article pour voir ça. Donc j'ai pas besoin de les recourber manuellement avec mon recourbe-cils classique. Et donc on va passer au mascara. Donc j'en ai pas de la marque By Terry, mais ça n'a pas d'importance. Je commence par le primer, donc le Paradise Primer Extatique de chez L'Oréal. Je vous en ai parlé dans une vidéo favori. C'est donc une base blanche que vous venez mettre... je tente l'application avec le retour écran. On est à ça de l'accident et de la catastrophe que je me mette la brosse dans l'œil. Je vous en ai parlé dans mes favoris du mois de juin, c'est un très très bon primer pour les cils, donc voilà, pour le moment le résultat est blanc, c'est tout à fait normal. Pour le mascara, je vous rassure, je vais quand même prendre un miroir pour éviter de perdre un œil en direct. Pour le mascara, c'est le Dior Show Pump and Volume Waterproof de chez Dior, donc, qui est donc enfin sorti en version waterproof. C'est un mascara dont j'avais entendu beaucoup de bien, mais je voulais le tester en version waterproof, donc il a fallu que j'attende qu'il arrive. Il m'a été envoyé par la marque et il est vraiment magnifique, c'est un très très beau mascara. Son gros avantage, c'est qu'il est beau tout de suite. C'est ce que je reproche au mascara Dior en général d'habitude, c'est que je les trouve bien après 2-3 semaines, une fois que la texture s'est un petit peu épaissie, une fois que le mascara a un petit peu séché. Et non, celui-là il est vraiment très beau tout de suite, donc ça c'est un vrai plus. Il donne beaucoup de volume, il est très noir, il sépare bien les cils, pas de paquet, beaucoup de volume, il tient bien la courbure, il est réellement waterproof, j'en suis très 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 contente. Donc voilà, je vous le conseille. Et voilà ce que ça donne donc avec le mascara. C'est tout de suite plus facile de s'imaginer le rendu final avec du mascara. Pour en revenir au Pump and Volume, donc il s'appelle comme ça parce qu'en fait vous pouvez appuyer ici, vous avez une sorte de petit renfoncement, de petit creux dans le tube pour normalement vous permettre de charger la brosse avec davantage de produits pour avoir vraiment un rendu très intense au niveau des cils. Très honnêtement, ne l'achetez pas pour ça. C'est un petit peu gadget, le mascara en lui-même est vraiment excellent et il n'est pas nécessaire de se servir de ce petit truc poussoir là
pour ajouter du produit, ça change pas grand chose. Donc voilà, c'est un très bon mascara, mais pas forcément pour ce détail en particulier. En tout cas, ne l'achetez pas pour ce détail là. Ensuite, on va continuer le maquillage et finir le maquillage par le rouge à lèvres. J'ai reçu deux références différentes. Tout d'abord, le rouge expert Click Stick. Donc le rouge à lèvres hybride, impact couleur, définition contour. Donc on est sur le même packaging, exactement le même que le petit anti-cerne du début. Voilà, donc le même tube avec toujours le petit bouton pressoir. Et donc vous avez la couleur qui se présente sous le même format, hein, une version un petit peu slim, un peu pointue pour bien dessiner le contour. Donc je l'ai reçu dans la teinte 9 Flesh Award, voilà, qui est un rose framboise un peu foncé, qui est très joli. Et je l'ai reçu aussi dans la teinte numéro 18 Be Mine, qui je crois est un rouge, si je dis pas de bêtises. Ouais, qui est un rouge carmin bien franc. J'ai pas très envie d'utiliser ce type de teinte, mais je crois que dans l'autre produit que je vais vous montrer, il y avait une couleur qui me tentait bien. Donc l'autre produit, il s'agit du Terribly Velvet Rouge, donc le fard à lèvres liquide, intensité couleur, matité velours et confort absolu. Donc un rouge à lèvres liquide que j'ai reçu dans deux teintes. Tout d'abord la teinte numéro 1 Lady Bear, qui me plaît bien. Je pense que c'est celle que je vais utiliser, qui est un nude, qui est très très joli. Je sais pas si c'est une couleur qui me va, mais écoutez, on va essayer. Et je l'ai reçu aussi dans la teinte numéro 3 Dream Bloom, qui est un rose avec des nacres dorées. Je pense pas que ça se voit à la caméra, mais voilà, croyez-moi sur parole, il y a des nacres dorées dedans. Donc je pense que je vais utiliser ce petit nude. L'embout est en forme de sablier. Voilà. Ouh, ça chatouille. Je pensais pas que j'étais chatouilleuse des lèvres, mais apparemment si. C'est très facile à appliquer, pourtant l'embout a pas la forme la plus simple, et c'est un rendu velours déjà à l'application. Pas sûr que ça soit une couleur qui m'aille très bien, mais écoutez, parfois dans la vie il faut tester des choses. Et je crois que ça fait un peu les dents jaunes, non? Ouais, je crois que ça fait un peu les dents jaunes. Bon, écoutez, c'est pas très grave, ça m'aura fait tester quelque chose qui sort de ce que je peux utiliser habituellement. Donc voilà pour ce tutoriel maquillage. En toute sincérité, qu'est-ce que j'ai préféré dans ce tutoriel? J'ai beaucoup aimé le petit anti-cerne Click Stick là. J'ai beaucoup aimé la texture, facile à estomper, un joli rendu qui fusionne bien avec la peau. Ça a peut-être aussi quelque chose à voir avec la base qui m'a bien plu, qui n'était pas grasse, qui n'avait pas un effet trop siliconé non plus. Donc voilà, les deux produits teints, je les ai beaucoup appréciés. La poudre, voilà, je vous en reparle plus parce que vraiment je l'adore, et c'est pas une surprise que je vous en parle en vidéo et que je l'adore. Je l'adore depuis des années, donc ça c'est clairement pas une découverte pour moi. Le blush, tout ce qui était un peu contouring, etc., j'ai bien aimé aussi, très joli, très lumineux. Les fards à paupières, alors l'ombre Black Star, pour moi c'est ce qui se fait de mieux en la matière, donc ça je vous conseille ça les yeux fermés. Fards à paupières très joli, très pigmenté et vraiment très lumineux. Et le rouge à lèvres, je suis pas complètement convaincue par la teinte, mais en tout cas c'est confortable, ça tire pas du tout. Bon, j'ai mes petites antennes. Quand je vous disais qu'il fait vraiment 35 degrés, c'est que mes cheveux vivent une vie à part entière. Voilà, ils ont une vie différente de la mienne. Et ils sont en train de décider que friser derrière les oreilles, c'était sympa. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. Je sais que j'en fais pas forcément très très souvent. Comme vous l'avez compris, avec le petit appartement dans lequel on est actuellement, c'est un peu compliqué de filmer, de mettre en place la caméra, le trépied, etc. C'est un peu difficile, là je suis assise sur mon lit. Et par contre, question luminosité, j'espère que ça va. Vu comme il fait beau aujourd'hui, j'ai envie d'y croire. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur les produits que je vous ai présentés, si vous voulez plus d'infos, comme d'habitude, vous n'hésitez pas. Je vous embrasse et on se dit à très bientôt.